Veya filu beyaz tara Şebe sahi gazlara Bevaday gam şam Nimza Hashem itbarach. Shalom uvracha, moraï verabotai Elul. Nous nous trouvons dans le mois de Elul. C'est quoi ce Elul? Alors, faut savoir que lorsque Moshe Rabbeinu a envoyé les explorateurs pour aller explorer la terre des Rétisraël, c'est marqué Veyaturu. Et le Targum explique Vi-a-le-loun. C'est-à-dire, vous allez explorer la terre. Ça, c'est la traduction du Targum. Donc, Elul, c'est explorer. Explorer, c'est explorer son cœur. Explorer, c'est aussi analyser donc toute cette année qui s'est passée et voir les erreurs que j'ai faites et analyser chaque chose. Il est marqué dans le psaume 27. Loulé he'emanti. Loulé he'emanti, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, si je n'avais pas la confiance en toi que j'allais voir, Baruch Hashem, les bienfaits que tu allais faire avec moi. Maintenant, loulé, c'est les mêmes lettres que Elul, sauf qu'ils sont à l'envers, pour nous dire un message. Que peut-être que toute cette année, tu avais des choses qui n'étaient pas vraiment comme tu l'entendais, comme tu le comprenais. Tu t'attendais à autre chose. Mais ça, c'est Elul. C'est justement, même si tu vois que les choses ne vont pas comme tu le veux, dans le sens que tu veux, mais Akadosh Baruch Hu sait exactement quel est le bon sens pour toi. Ça, c'est Elul, c'est d'avoir la Yemouna en Akadosh Baruch Hu et d'être boter et d'être confiant en Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu nous enverra Be'ezrat Hashem, la Geoula Shelema, Bimera Bi'amenu. Amen. Shalom Uvracha. Ani